On dit souvent aujourd'hui que l'horreur est quelque chose de difficile à créer au cinéma, de développer un sentiment tellement profond qu'il ne se limite pas simplement à un petit jumpscare des familles, somme toute sympathique, mais finalement, c'est vain. Parce que la peur a toujours été, que ce soit dans la vie ou au cinéma, quelque chose qui se loge dans le cerveau du spectateur, une appréhension, un sentiment intense et incontrôlable qui pousse ce même spectateur à se dire que le pire pourrait arriver et que rien ne pourra finalement l'empêcher de se mettre en place face à nous, même si nous fermons les yeux, même si nous arrivons à le prévoir. Mais depuis plusieurs années, en tout cas dans le cinéma d'épouvante, on a vu toute une vague de cinéastes aller dans une direction où tout est facile à voir, ou en tout cas, tellement prévisible que regarder est presque devenu une obligation pour tenter non seulement d'avoir peur, mais surtout de se tester. Test qui finalement se résulte simplement à savoir combien d'hémoglobine nos yeux seront capables de voir se déverser avant que nous choisissions de regarder ailleurs et donc d'avoir peur. Comme si la peur n'était qu'un sentiment secondaire face au dégoût. Le cinéma d'horreur et d'épouvante n'a jamais été réellement créé dans ce but. Au contraire, la peur est un sentiment qui doit continuer d'habiter le spectateur bien après sa sortie de la salle. Lorsque nous étions enfants, la peur, c'était quelque chose qui se glissait dans notre colonne vertébrale. C'était quelque chose que l'on ne pouvait pas contrôler. Parce qu'avoir peur, aux yeux d'un enfant, c'est peut-être la pire chose qui puisse nous arriver. Parce que nous ne savons pas, petits, comment contrôler ou en tout cas influer sur cette peur pour l'emmener dans une direction où elle pourrait devenir une force. La peur est un sentiment et une émotion qui résulte du danger ou de la menace. Et au cinéma, cette menace doit venir de quelque chose que l'on a toujours senti comme effrayant, comme terrifiant, comme glaçant d'effroi. Et ce n'est pas forcément relié à un objet ou un acte qui se doit de nous faire peur. Cela peut être simplement relié à une chose qui terrifie, à l'image de ces nombreux enfants qui ne cessent d'être terrorisés par une chose qui est supposée instaurer la joie dans le cœur d'un tout à chacun, un clown par exemple. Parce que la peur n'a jamais été quelque chose de rationnel, et si c'était le cas, j'ai simplement envie de poser une question simple, pourquoi est-ce qu'on a peur des petites araignées ou encore du croque-mitaine? En tant que cinéphile, on aime la peur. Parce que celle-ci a pris tellement de forme au cœur du cinéma que l'on peut trouver toutes sortes de peurs, qui sont plus ou moins rationnelles, souvent qui ne le sont pas, et qui du coup nous donnent envie de voir toutes les possibilités de ces peurs, tout ce qu'elles renferment, tout ce qu'elles peuvent nous permettre de ressentir et de comprendre de nous finalement. Je repense à un exemple assez symptomatique de tout cela, mais en soi, personne n'a peur des oiseaux, hormis ceux dont il s'agit d'une phobie. Mais sinon, c'est plutôt un animal qui rassure, qui impressionne presque. Et pourtant, à l'image de son génie, Hitchcock a été capable d'en faire une créature terrifiante et tout simplement passionnante, rejoignant le panthéon des êtres les plus terrifiants alors qu'il s'agissait pour la plupart des spectateurs de quelque chose de commun et faisant partie de notre vie de tous les jours. Finalement, c'est peut-être ça l'originalité de la peur au cinéma, prendre quelque chose du quotidien et le transformer et lui donner une force pour faire en sorte qu'on en ait peur et qu'on ne sache pas réellement pourquoi. Bien plus que ce grand Alfred Hitchcock, il réside au cœur de cette optique de faire du cinéma un besoin fondamental de générer une peur qui ne se limite pas simplement à une vague idée de faire frissonner ou de pousser ce spectateur à se mettre dans une position où il devra avoir peur. Bien au contraire, la peur n'est pas tant que cela nécessaire en termes de ressenti. C'est ce que celle-ci va provoquer d'un point de vue psychologique qui donnera lieu à quelque chose de fort et d'intense. Le cinéma est un vecteur d'émotion avant d'être un vecteur d'analyse ou de compréhension. On ressent un film, parfois même on le vit et on se dit que ce long métrage nous ressemble, se façonne et se dessine comme quelque chose qui nous appartient personnellement. Et finalement, la peur fait partie de ce même processus d'appréciation et d'admission d'une œuvre par un spectateur. On aime le cinéma parce qu'il nous touche. Et en un sens, la peur rend une œuvre attachante par le rejet ou l'impact que celle-ci a sur nous et sur ce que nous sommes en tant qu'être humain. Une émotion est finalement tout simplement un trait de notre personnalité. Et donc en un sens, cela fait partie intégrante de notre psychologie. En ce sens, la peur est un élément de notre psychologie et de notre manière de voir le monde et de l'interpréter. Et bien au-delà de simplement avoir un impact sur nous, elle fait partie de nous, étant intimement liée à la joie, la tristesse et la colère. Et en ce sens, il est important de la distinguer de l'anxiété, qui est souvent l'état dans lequel on se trouve face à certains films d'horreur. La peur, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un flux émotionnel, comme le disaient Watson et Ekman. La peur est un comportement, une manière d'agir face à quelque chose et non un résultat incontrôlable et inévitable, comme c'est le cas de l'anxiété, qui, elle, développe tout un ensemble d'effets physiques que la peur, elle, ne provoque que rarement. La peur, elle provoque un état, pas un statut. Elle met à mal l'esprit du spectateur, là où l'anxiété se ressent physiquement.
La peur est avant tout de l'ordre du cérébral, là où l'anxiété est de l'ordre de la réaction. Sursauter devant Annabelle ou Escape Game n'est pas rester tétanisé devant Antichrist ou Climax. On peut se contenter finalement de voir la peur comme quelque chose qui ressemble à cela. Mais au fond, la peur est quelque chose d'avant tout personnel, comme je l'ai déjà dit avant, et je pense qu'il faut plutôt la voir dans cette direction. J'aime à croire qu'un auteur me comprend, et qu'il sait comment rentrer dans ma tête lorsqu'il réussit à me faire ressentir une émotion qui ne m'avait pas transportée depuis longtemps, comme ce fut le cas avec Takahata, ou encore avec Robert Mitchell. Bref, des auteurs qui savent transporter au cœur de leurs œuvres une sincérité et une intensité qui va bien au-delà de simplement être de l'ordre de l'instant. Nous sommes finalement des êtres qui sommes obnubilés par notre personne, et parce que le cinéma va nous faire à nous personnellement, et non à la majorité et l'unanimité, et pourtant, c'est important également, lorsque l'on voit un cinéaste réussir cela, c'est à ce moment-là que l'on comprend que ce qui nous semblait irrationnel devient quelque chose de terriblement terre-à-terre, et finalement, peut-être, qu'une peur peut alors devenir commune et pas si bénigne. On a tendance aujourd'hui à vouloir absolument tout rationaliser, mais je pense que la peur n'est pas quelque chose que l'on peut rationaliser. Seul un auteur peut le faire, et encore, il le fait pour nous et non pour lui, par le biais de son œil. Le cinéma veut nous tétaniser parce qu'il est important de rappeler à l'homme que la peur fait partie de lui, que la peur est avant tout une émotion qui nous permet de ressentir des choses et de comprendre un peu mieux qui nous sommes, car en étant tétanisés, en étant littéralement et psychologiquement possédés par cette peur, nous devenons finalement des êtres encore plus humains que nous ne le sommes déjà. Nous sommes définis par nos émotions, et nos émotions reflètent ce que nous avons vécu. Et le cinéma nous représente souvent par le biais de thématiques, par le biais de mouvements, de coupes, de personnages, et d'instants où nous sommes suspendus aux lèvres d'un auteur cherchant à nous comprendre, et à nous analyser par le biais de son récit. Car finalement, si nous représentons nos peurs, et que le cinéma nous représente, ne serions-nous pas alors un petit morceau de cinéma à part entière de notre côté? Et si nous faisons partie du cinéma, peut-être que finalement nos peurs ne sont peut-être pas si irrationnels que cela finalement.